Nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique. On va pas vous cacher, il s'agit d'une GTX 750 Ti, donc la première carte graphique avec la technologie Maxwell de Nvidia. La carte nous vient de chez Zotac, c'est une version 2 Go, car comme vous le savez sans doute, il existe des GTX 750 Ti 1 ou 2 Go. Il s'agit d'une version OC. Bon, malgré les apparences et les couleurs qui font terriblement pensé à la série AMP de Zotac, il ne s'agit pas d'une GTX 750 Ti AMP, il s'agit juste d'une version légèrement OC. Donc on va découvrir la carte et son bundle. Voici donc la carte et son bundle. Au niveau du bundle, un adaptateur DVI-VGA, un adaptateur 6 pins, les drivers et les traditionnels manuels. On va s'attarder sur la carte graphique, ce qui nous intéresse beaucoup plus. Alors la carte, on reconnaît tout de suite le design Zotac avec carénage noir, ventilateur orange, PCB noir mat, très très joli. Donc on remarque un connecteur 6 pins à la différence de la version de référence de la GTX 750 Ti. On vous laisse faire un tour de la carte graphique, elle est vraiment très très mignonne. Au niveau des sorties, on trouve deux sorties DVI, une sortie DisplayPort et une sortie HDMI. Au niveau des caractéristiques, donc la carte est légèrement haussée, le GPU est à 1046 MHz et le boost 2.0 à 1124 MHz. La carte embarque toujours 2 Go de GDDR5 en 1350 MHz. Elle bénéficie également de 640 Q d'accord, et donc nous l'avons bien évidemment testé, on vous livre le test très vite, à bientôt.